on n'avance pas de la même façon. Là, ça nous ouvre encore plus les champs des possibles, ça nous ouvre encore plus de choses, oui, effectivement. Et on ne reste pas cantonné à notre système français qu'on connaît. Tout à fait. Après, même entre UDAF de France, je trouve ça intéressant aussi d'échanger parce que finalement, après, moi, ça fait qu'un an que je suis à l'UDAF, mais ça a été intéressant d'échanger déjà dans mon UDAF et après les autres UDAF. Et aujourd'hui, on est dans une dimension un peu plus européenne, quoi. Comment chacun travaille, comment chacun s'organise, comment chacun. Oui, il y a des différences entre les uns et les autres. Celui qui va donner sa ligne privée, qui va avoir plusieurs appels, enfin sa ligne privée, pardon, sa ligne, son poste, sa ligne directe. Moi, je ne travaille pas comme ça, mais en même temps, ça m'a permis un petit peu de me remettre en question aussi, d'appréhender, de me dire, bon, mais peut-être que je peux appréhender autrement les choses. Donc après, tout ça, ça va se mûrir. Hein. C'est pas, là, on est dans la connaissance, et plus ça va, plus on apprend, on parle de nos pratiques, on échange, et c'est enrichissant. Ouais.